Alors, hop, déjà. Là, j'ai que de la jauge terre. Donc, ça veut dire que ça, je vais le payer en jauge neutre. C'est pas grave. En vrai, il faudrait peut-être. Non. Non. Je pense à l'autre maintenant. Bon, là, j'ai 9. Il faut que j'aille chercher lui. Donc, c'est ça. Comment je perds pas un PA là? Attends, hop. Lui tape personne, lui tape personne. Là j'ai vraiment rien à jouer, ça. Ok. .299, j'ai 3,75. Donc je vais taper avant de mettre une auto. Et après je fais ça plus ça. Bien, j'utilise ça. Là, je peux faire ça et ça. J'ai plein de solutions là. Je peux faire ça plus ça. Là, ça va me faire 4 aura épée direct. C'est pas trop mal. Ok, là, franchement, en deck 9, déjà la sortie est nettement plus stable. On a plus de spells utiles. Ouais, un départ correct. Donc on perd les deux compas par contre. Mais nos trois héros peuvent bouger. Ok, c'est à lui de sortir ça. Je lis le chat après, je vois que ça parle. Ça, il faut sortir les deux là, c'est possible normalement. J'ai envie de... Exactitude, ça me rend 4 PA. Je vais le faire. Ah, c'était peut-être lui qu'il fallait que je prenne.
Donc là, prochain tour, lui et lui peuvent attaquer, plus celui qui pop là. Il pourra aller taper le compas. Là, le move, c'est ça plus ça. Hein. Puisque... Ah, je vais même overkill une aura épée de glace, là. C'est ça, mon... C'est ça, mon histoire. Je peux le laisser là. En gros, j'allais te faire ça et ça, mais ça veut dire que je vais overkill une épée. Parce que ça va me donner deux épées, ça. Donc, je vais garder ça pour le prochain tour, au cas où. Ça fait un état astral, ça fait un état en plus, il est pas stun. Je suis à 5 aura épée d'eau. Alors peut-être. Il manque deux états élémentaires à foutre sur la map. En termes de jauge. Donc prochain tour, ok. Ouais, cette tendax. Oh, merci. Mais pourquoi ça fait ça comme, comme annonce? J'avais paramétré l'autre annonce là, j'ai le seum. Merci énormément Cookie, merci beaucoup. Je lis tout après le combat. Ah, ils m'ont tué un compas, ça m'arrange pas. Mais qu'est-ce que tu fous là toi? En vrai c'est pas trop mal. Donc là, il faut d'une part isoler Tauros. Donc là je peux pas invoquer elle, hein, tant pis. J'ai pas la colère. Alors est-ce que j'invoque quand même elle? Et que je lui mets Astral? Ah, je vais être obligé je crois. Si je veux win, je vais être obligé. Donc. Là, ils sont 8. Déjà, j'aurais juste à pousser là. Et invoquer l'autre ici. C'est-à-dire que ça dégage. Si je fais ça, j'ai les jauges ou pas, non? Si je fais ça, j'ai les jauges. Ah, j'avais juste mon auto-attaque, en fait, je suis un con. Ça va, c'est pas grave. On est à encore un état élémentaire à foutre sur la map. Ici, j'en ai pas. Faut isoler Tauros, c'est pas un problème. Je peux sortir... Je peux pas sortir Shani, sauf si ça crit. Ok, il me manque un état élémentaire. Mais. J'ai 7 PA. Donc je peux faire ça avant. Enfin, je peux auto. Ça. Non, normalement, ça va le faire. Je suis où? Je suis là. J'ai besoin de cette poussette ou pas? Je pense pas. Ok, donc dans l'ordre, je pioche ici. J'auto, ça je tue. Je refous un état élémentaire quelque part. Ah ouais, ça c'est bon ça. J'invoque Jash. J'envoie ça. On est bon là. Hein. J'invoque. Alors peut-être. Alors peut-être. Bam!
Let's go! Je meurs, c'est pas grave. C'est pas grave. 10 minutes tout pile. You! Let's go, let's go, let's go!